Ouais. Bon, on part invoquer avant d'aller tester Freezer en vidéo, les amis. Comme vous le voyez dans le titre, nous allons jouer sur Freezer. Et là, on va partir d'abord invoquer pour essayer de drop Goku ou sinon Andy de Undead Unluck. Let's go. Ah, c'est dommage, je ne drop rien. Quand même mes habitudes. Bon, let's go, on va partir tester tout ça. Fais ça, et on part en ranked. Lui, il a tryhard. Ah non, il a pas tryhard, autant pour moi. Vu que je suis niveau 67. Bon, allez. On se retrouve directement sur la sélection des personnages. Let's go. Ok, c'est parti. Let's go pour Freezer. On va le jouer au bot. On va voir ce que vaut le personnage. Enfin, moi, je sais à quoi s'attendre avec le personnage vu qu'il est fort. Mais il a quand même quelques petits défauts. Alors, en face, on a Nobara, Shinobu, Naruto jeune, Orihime et Gaara. Shino Sasuke, Orihime, Naruto, Bo Hancock. Et du coup, moi avec Freezer. Bon. Dans le jeu, il est considéré comme mage. Du coup, il va jouer en utilisant de la puissance magique. Et son kit de sort est très intéressant parce qu'il frappe quand même à une grosse range. Et derrière, son point positif, c'est que sur son ultime, il fait pas mal de dégâts. Et qu'il frappe dans un diamètre assez grand, dans une zone assez grande. Du coup, là, l'objectif, c'est de up rapidement au niveau 4. De récupérer un maximum de kills. Et de ne pas se faire one shot par leur assassin. Vu que les counters des mages dans ce jeu, ce sont les assassins. Tout ce qui est Shinobu, tout ce qui est. Parfois, même contre certains tanks, j'aurais du mal. Ok. J'ai raté ma compétence. J'ai encore atteint la compétence. Ah là là. Ok. Ok. Ça commence mal. Ça commence mal. Tranquille. C'est la partie d'échauffe, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, niveau 5, enfin niveau 4, avec tous mes sorts et mon combo qui va me permettre de stun et de faire des dégâts à très longue range, va me permettre également de one shot avec les trois compétences réunies. On va jouer tranquille. Elle joue trois gros, hein. Elle joue vraiment. Ok. Ah, dommage, j'ai pas la range. En même temps, avec les 325 de ping, c'est un peu violent. On va juste faire un truc rapide. Ok, let's go. Ok, c'est normal. J'ai dû activer un booster de ping pour éviter justement de laguer davantage. Ok, c'est bon. Là, c'est en train de se remettre.
Ok, let's go, ça commence. Elle va me buter? Ok, let's go. Ok, à cause de ce petit temps d'AFK, ils ont eu la tourelle. C'est pas grave. C'est pas grave, dans tout cas, on va remonter tranquillement. Bon, j'ai réduit de 80. Normalement, je dois être à 100, à 180 et non à 250. Mais bon, c'est déjà ça. Faudrait que je redémarre le jeu là. Je vois qu'on est en train de perdre. Ok, on a one shot. Vraiment intéressant le perso. Hein. Let's go. En train de farm en bas. Et Garak qui commence à se feed. Je vais récupérer ça. On va essayer d'avoir la tourelle. Ok. Ah, j'aurais pas d'ult. Et ouais, du coup, à cause du lag, j'ai du mal à prévoir. À prédire plutôt. Ok, let's go. Dommage. Dommage. J'ai eu du mal à me diriger. Et pour le moment, c'est qui est feed? Ok, les deux. Forcément, avec Orime qui les a feed. On a beau en coq, il faudra que je teste aussi. Bon, j'ai déjà testé en soi dans une vidéo précédente. Mais le perso est très 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 bon. En plus, je maîtrisais même pas le perso. Let's go, j'ai le kill. Se soigne. On va essayer de prendre la tourelle au mid. Oh là là. Ah, c'était le clone. Dommage. Let's go, 3 kills. 3 kills, 4 kills. Enfin, 3 kills. Let's go, bon, je suis mort, mais je suis revenu au score. Vraiment, vous allez voir les dégâts en fin de partie avec ce personnage. C'est vraiment une folie. Bon, on part sur du cooldown et des gros dégâts. Voici à peu près mon stuff. Du coup, j'ai des dégâts supplémentaires, de la move speed, du cooldown, de la pénétration et de la régène. Et bon, on va prendre un truc qui serait intéressant pour le personnage dès maintenant. On va arrêter de prendre le stuff recommandé. Et on va partir sur du stuff anti-tank. Parce que leur tank, c'est Naruto. Du coup, forcément, il va me casser la tête. Sur le endgame, mais il se peut qu'avec tous ces clones, ils puissent me buter plus facilement que prévu. Du coup, on va partir sur cet item, vu que maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah, j'ai raté le mob. Bon, c'est pas grave. Voyez les dégâts?
J'aurais pas dû... Ah, j'aurais pas dû partir. Bon, excusez-moi. J'ai oublié de reprendre la vidéo. Je pensais que j'avais repris la vidéo. Bon, le perso, comme vous l'avez vu, c'est un mage. J'ai cut énormément, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis passé niveau 10. Ils ont pris deux tourelles. Et là, la partie se repose sur moi. Il y a 19-31 pour eux. J'ai 10 kills sur 19. Bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. On va dire que ça sera un challenge. J'ai raté le gros mob, c'est pas grave. C'est très très violent. Contre, ah, mais il a du vol de vie. Ah, oh là 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 là. Il me faut vraiment cet item rapidement. Cet item-là, il est bon contre les tanks, comme vous l'avez lu. Et qui plus est, ça va me donner du cooldown. Enfin, de la réduction de cooldown. Et de la vie. Plus 40% de pénétration magique. Du coup, je pourrais facilement le jouer contre lui. Et là, le problème, c'est que tous mes coéquipiers feed, comme vous le voyez dans le tableau Discord. Je suis le seul en positif. 4, 8, 1, 7, 3, 6, 3, 9. C'est extrêmement tendu pour moi. C'est extrêmement tendu, mais c'est jouable. C'est largement jouable. Ils vont essayer de prendre la tourelle au mid. Et on va essayer justement de les counter. Non, ils vont pas essayer de la prendre. Du coup, ça me laisse le temps. Let's go, c'est bon, j'ai l'item. On va aller l'hésiter. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il a foutu? Ok. On va prendre un peu plus de dégâts. J'ai le kill et il se suicide. Let's go. Ok, c'est gratuit. On back tranquillement, on va pas être gradé comme tout à l'heure. Et c'est parti. Bon, on est en train de rattraper l'écart. Normalement, on devrait avoir l'endgame. Avec Sasuke et Bo Hancock. Let's go. Je commence à faire de gros gros dégâts. Les dégâts, frère. Let's go. Ils vont me buter si je reste là. Ok, on back. Alors, sur quoi je vais partir? Je pense que je vais partir sur un stuff qui va me donner plus d'attaque. Plus d'attaque magique, de puissance magique. On récupère un peu de vie. On y go. Freezer, il est là vraiment pour one shot. Il a beau avoir du contrôle, il est vraiment là pour faire un combo et one shot. En dehors de ça, En dehors de ça, son passif lui permet. Vous voyez les dégâts? Bon, j'ai raté Nobara, mais oh, je l'ai eu grâce à la brûlure. Mais vous voyez à quel point il est là pour one shot. Qui plus est, le second point positif du perso, c'est que quand j'utilise une compétence, sa prochaine auto-attaque. Bon là je me fais buter, j'ai raté mon stun. Mais quand j'utilise une compétence, ma prochaine auto-attaque fait plus de dégâts. C'est comme l'équivalent de la brillance sur League of Legends. L'item la brillance, pour ceux qui la connaissent. C'est parti.
Magic Leash, non, je pense pas qu'on pourrait partir sur ça, ça sert à rien. Par contre, ça serait pas mal. Ok, on revient dans quelques secondes. C'est parti. On a repris l'écart en vrai. Enfin, il y a eu kill d'écart par rapport à tout à l'heure où il y en avait 16, je crois. 14, entre 14 et 16, je m'en souviens plus exactement. Mais voilà, là maintenant il y a 7 kills. Et ils ont du mal à push également. On continue de push. Là, l'objectif c'est de ne plus. Vous voyez? One shot. Freezer, il est vraiment très très intéressant. Vraiment. Ouah, je l'ai mis de live juste avec deux sorts. Oh, j'ai raté ma compétence. Bon, c'est pas grave. Je back. Dans tous les cas, il vraiment, fin de game, ce perso, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Le perso est trop, trop intéressant. Bon, désolé pour la qualité. J'ai mis la qualité au minimum. Parce que le jeu bouffe en batterie. Surtout que là, on a 17 minutes de jeu parce que mes coéquipiers, ils ont feed. Et du coup, pour reprendre l'ascendant. On a dû faire durer la partie. Le perso est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Ah, on a gagné. Ben, let's go. Je voulais partir sur un dernier fight contre Gaara pour voir les dégâts. Au vu de ces statistiques qui sont vraiment up en AP, en tank et en HP. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Mais voilà. Voilà vraiment l'étendue du personnage. Quand ce jeu va sortir chez nous, les amis. Vraiment, si vous voulez un bon mage, Freezer est vraiment à focus. C'est parti. Comme vous le voyez, j'ai carré, j'ai eu le MVP. C'est parti. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.